matin, sur France Info, notre invité Clémentine Autin. bonjour. Bonjour. Députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Renaud Delis. Bonjour Jérôme Cadet. La France Insoumise va-t-elle participer au Grand Débat Bah oui, parce que Clémentine Autin ce Grand Débat donc s'est lancé, ça y est, 7 heures d'échange entre Emmanuel Macron et des maires avant-hier, 200 débats programmés dans le courant du, du week-end. Cette fois-ci, ça y est, le Grand Débat est donc parti, le mouvement des Gilets jaunes donc c'est fini c'est le président de la République qui a fait une proposition politique parce qu'il était contraint par le mouvement des gilets jaunes euh, d'ailleurs il a tardé parce que avant même de remettre en cause la taxe et de la suspendre sur le carburant alors que le pays était dans une colère déjà très très forte il lui a fallu trois semaines et encore on arrive au neuvième acte avant que le président de la république prenne une initiative qui est l'initiative de ce débat. Une initiative qui marque donc la fin du mouvement des gilets jaunes Non ça ne marque pas la fin du mouvement des gilets jaunes, ça marque un moment de prise de considération du président de la république de la question mais avec une limite qui est une limite majeure et je reprendrai là le mot de, de l'humoriste Guillaume Meurice parce que je pense qu'il a bien résumé la situation, il dit « il est temps de discuter tous ensemble de la manière dont nous allons faire comme j'ai prévu ». C'est-à-dire qu'on a un débat qui est très cadré par le président de la République, où vous avez des questions qui ont été soulevées autour des ronds-points de façon forte. Je pense par exemple euh, à l'ISF, qui était une question qui revenait sans cesse, puisque la justice sociale, fiscale est au cœur des revendications. Et le président de la République l'exclut, et par contre, il nous fait revenir par la fenêtre, on par on la entendait, porte, euh, l'immigration, la laïcité, qui n'était pas au cœur des On entendait des, des préoccupations ce matin sur France Info, des gens débattent depuis hier et parlent de l'ISF. et disent qu'il faut par exemple le rétablir. Pour certains d'entre eux. Oui, mais vous avez entendu le président de la République qui dit vous pouvez discuter de tout en gros, mais le cap reste inchangé. C'est bien là le problème. Tout. On peut discuter tout. Il dit, ah bah ça, on peut discuter on tout. Peut discuter de mais on, on peut on discuter Mais comment on tranche de tous à la les fin D'ailleurs, la question lui a été posée aussi. Oui, euh, Renaud Delis, Mais, après... mais comment on tranche à la fin C'est le président de la République qui tranche. Il n'y a pas de processus qui permette de retourner au peuple pour dire voilà, on a eu un débat et vous allez le trancher. Et c'est là toute la supercherie. De, de ce débat, c'est que euh, évidemment qu'on peut discuter et je pense que c'est mieux de débattre que de ne pas débattre. Donc et, vous souhaitez et, quand même participer à ce bon débat Non, nous ne participerons pas parce que nous n'avons aucune garantie de la prise en considération de ce qui va s'exprimer. Vous voulez dire par ailleurs, que c'est mieux de débattre que de ne pas débattre Oui, mais on est toujours pour le débat. Nous on débat à l'Assemblée Nationale, on y Donc est en avez débat, on Donc vous débat, débat. Non, non, nous ne participerons ah. pas à ce débat parce que nous ne voulons pas cautionner une entreprise de communication du Président de la République qui consiste à effectivement, faire un geste parce qu'il est obligé, la crise politique est majeure, donc il fait un geste, euh, mais en même temps, il ne donne pas les conditions que le débat, au fond, soit tranché par les Français. Et c'est pourquoi nous, nous disons, parce qu'il faut parler des sorties de crise que nous proposons, je pense que s'il avait dit, par exemple, très simplement, je reviens sur l'ISF, j'augmente sérieusement les bas salaires, et je reviens sur la question de la CSG, s'il avait dit, bon, on commence déjà par le RIC. Et une dose de proportionnelle. Je vous propose une solution avait immédiate. Adopter le programme de la France insoumise. Non, ce n'est pas le programme de la France insoumise. Ah. Ce sont quelques mesures d'urgence qui ont émergé sur les ronds-points et qui, certes, sont dans le programme euh, L'avenir en commun, mais ne sont pas tout le projet de la France insoumise. S'il avait commencé à donner quelques gages pour dire qu'il entendait cette colère forte des Français, ah. qui est une colère qui porte sur la justice. Sur la dignité populaire, je pense qu'en effet, euh, les choses auraient pu être différentes. Alors après-demain, certaines pages Facebook du, du mouvement des Gilets jaunes annoncent déjà donc, un, une dixième mobilisation samedi. Voilà. Donc vous, vous souhaitez que cette mobilisation ait lieu et qu'elle soit massive Oui, je souhaite que cette mobilisation ait lieu, mais euh, je vais vous dire ce qui me tient vraiment à cœur, c'est l'élargissement du mouvement. Les Gilets jaunes euh, ont cristallisé, je crois, ce, ce, le résultat de 30... Voire maintenant 40 ans de politique de dérégulation économique, euh, de libéralisme débridé, d'austérité aussi, qui s'abattent qui du coup sur les services publics. Et donc, il y a une cristallisation autour du gilet jaune. Mais vous avez remarqué qu'il y a des pans entiers Donc, du peuple qui ne sont pas encore justement, en mouvement. Et moi, euh, ce que je souhaite, je vous quand, le dis Vous pensez assez... jusqu'à quand Donc, samedi, ça va être la 10e journée de mobilisation. Oui. Il en faudra combien d'après vous 15, 20, 30 Mais, le, le, Je ne peux pas vous dire. D'abord, ce n'est pas moi qui décide. Hein. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour qu'on ait des mobilisations. Mais par contre, je vous le dis, ce qui importe maintenant, c'est la convergence avec d'autres secteurs qui ne sont pas encore Mobiliser. Et moi, j'appelle les responsables euh, que nous sommes tous, hein, les responsables syndicaux, du mouvement social, plus traditionnel, euh, mais aussi, moi, je suis élu de banlieue populaire et j'ai fait mes voeux pas plus tard qu'avant hier soir. Et j'appelais aussi à cette mobilisation. Et donc aujourd'hui, il faut que converge. Sur quel mot cette... d'ordre Samedi, il euh, y a des pages Facebook du mouvement des Gilets jaunes qui appellent à un jour historique hein, pour renverser le gouvernement. C'est ça le mot d'ordre il faut renverser le gouvernement, mais il faut aussi une sortie, une issue. Il faut qu'il y ait une espérance qui permette euh, qu'on se dise que euh, c'est pas simplement qu'on met Macron dehors, c'est qu'on a une solution politique. Et moi, mon obsession, c'est de me dire comment euh, cette solution politique peut être du côté du progrès humain. Donc, il faut renverser le gouvernement par des mobilisations dans la rue. Hein. La mobilisation sociale est une condition pour faire grandir une espérance de transformation, de changement. Moi, je n'arrête pas d'entendre cette phrase. Il faut que ça change, il faut que ça change. Donc il faut que ça change, je le crois profondément. Et ce dont nous devons débattre, c'est quelle est la société de demain qui n'est plus celle de ce libéralisme économique débridé, aussi d'une de, du, du, conception des droits et libertés qui sont sans arrêt grignotés, parce que le libéralisme économique, il s'accompagne d'un recul des droits, des protections et des libertés publiques, comme on bascule. Alors, euh, dans un, un changement. Et il faut je... une perspective, vous disiez, une oui. alternative, un espoir. Oui. Pourquoi c'est pas vous Pourquoi c'est pas la France Insoumise Quand on regarde les sondages d'intention de vote pour les élections européennes, il y en a encore eu un de l'Institut IFOP hier, on voit que la France Insoumise, elle est estimée autour de demi, 10%. La République En Marche, 23%, le Rassemblement National, 21%. Alors, ça Pourquoi va... ça marche pas je pense que c'est difficile de vous répondre en trois phrases, parce que ce sont des processus au long cours, mais je dirais au moins, au moins deux éléments. D'abord, l'extrême droite avait une avance euh, bien, bien antérieure. Pas aussi grande. Marine Le Pen a fait 21% de point oui, la présidentielle, bien. ils sont toujours dans les sondages autour de 21%. Jean, euh, Emmanuel bien. Macron a fait 24%, à peu près au même niveau pour oui. je Jean-Luc Mélenchon avait fait le double. Je, je, voilà. je n'esquive pas mmh. du tout votre question. Hein. Je dis oui. qu'il y a quand même un premier élément qui est une avance euh, de Marine Le Pen et de l'extrême droite qui est antérieure au mouvement des Gilets jaunes. Et qui premier point. Mmh. Deuxième point, je ne crois pas que la séquence de l'automne ait été très bonne pour la France insoumise à plein d'égards. On a malheureusement eu beaucoup de, 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 de polémiques, de, de, de choses qui ont empêché que. notre... parlait de la réaction de Jean-Luc Mélenchon lors des perquisitions. Entre autres. Entre autres mais je pense ça que vous notre voix de fond n'est pas toujours clairement. Euh, identifié parce que ces derniers temps nous avons été euh, face à voilà des polémiques diverses et variées. Vous Ça, pas entendu C'est un deuxième élément. Mais, il me semble... Que les, dans le mouvement des Gilets jaunes euh, ce qu'on pouvait redouter au démarrage c'est-à-dire que les thématiques de l'extrême droite soient dominantes très présentes, en réalité c'est plutôt des thèmes qui nous sont proches la question du partage des richesses, la question de la démocratie véritable qui est au cœur des Gilets jaunes et c'est ce qui moi me donne un espoir important parce que euh, la, on n'est pas à la fin de l'histoire, je veux dire pour l'instant on est dans ce moment-là euh, et le rapport de force il faut prendre conscience de la difficulté de la tâche mais je crois que nous avons du grain à Moudre et qu'il euh, faut souhaiter agir pour qu'une convergence plus grande des forces qui sont du côté du progrès, du côté de l'égalité, du côté de la justice du côté de la démocratie et pas de l'autoritarisme et du repli, eh bien que ces forces-là convergent et arrivent à tracer ensemble non seulement de la colère dans la rue, mais aussi une espérance dans une solution politique possible pour l'après-Macron. Clémentine Autain, notre invitée ce matin sur France Info. On poursuit cet échange juste après l'info. Il... La députée Clémentine Autain, députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis, notre invitée ce matin sur France Info. Renaud Delis. Parmi les revendications du mouvement des Gilets jaunes que vous évoquiez à l'instant, Clémentine Autain, il y a notamment le fameux RIC, hein, mm -hmm. le référendum d'initiative citoyenne, qu'on retrouve aussi dans... Dans le programme de la France Insoumise. Précisément, mmh. l'un de vos collègues du groupe La France Insoumise, François Ruffin, le député de la Somme, il a défendu euh, ce RIC lors d'une conférence de presse et il en a parlé en ces termes. Oh, il n'a pas fleuri par hasard. Il a fleuri parce que des hommes de conviction, nommons-les, Étienne Chouard et ses amis, ont semé, ont arrosé depuis des années, depuis le traité constitutionnel européen de 2005, depuis la trahison de Lisbonne. Étienne Chouard, il faut rappeler que c'est un enseignant qui a notamment défendu le polémiste antisémite Alain Soral et volontiers relayé des thèses conspirationnistes. Cette intervention de François Ruffin, elle vous a inspiré un tweet, Clémentine Autain, Vous avez dénoncé des dérives rouge-brun. Vous avez dit sans doute suis je suis-je trop sensible aux dérives rouge-brun. Est-ce oui, que vous pensez que les... la France insoumise est menacée par une telle dérive le... Le... J'étais euh, en désaccord avec François Ruffin sur le fait de citer, de valoriser Étienne Choix pour euh, les raisons suivantes. C'est qu'il euh, faut faire très attention dans un moment qui est singulier. Vous, vous imaginez quand même que euh, ce n'est pas commun pour nous de se retrouver au-dedans des ronds-points euh, euh, dans un mouvement qui est aussi soutenu par l'extrême droite. Moi, je suis pour qu'on soutienne les gilets jaunes. Je pense qu'on y a toute notre place. Mais... Euh, Une on ne peut pas.. Bras, valier, le, non, mais le, je veux dire on ne est peut forte. pas.. Pas des rives rouge-brun de François Ruffin. Pas des rives rouge-brun de François Ruffin. Écrit. Que les choses soient claires. Sans clair. doute suis-je trop sensible aux dérives oui, rouge-brun. Pas... Je n'aurais pas pris pour modèle Étienne je... Chouard. Voilà, je pas, mais pas, je ne dis pas que François Ruffin est dans une dérive rouge-brun. Je dis qu'il faut faire attention à ce que nous disons dans le menu détail et au message que nous renvoyons, parce que la situation que nous traversons est tout à fait inédite. Elle traduit un essoufflement du mouvement ouvrier, une panne. Je veux dire, c'est historique ce qui se passe, vous vous rendez compte Même au début du 20, 21e siècle, les premières grèves, je pense à 95, je pense à 2003, c'était des mouvements dans lesquels les syndicats, les courants communistes, Socialiste, historique de cette tradition du mouvement ouvrier, euh, quelque part, euh, avait la main. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Avait la main. Là, aujourd'hui, ce qui émerge, c'est du neuf. Et ça nous bouscule. Et moi, je le dis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on soit bousculé. Mais dans mais... le même temps, qu'il faut accompagner les Gilets jaunes, en être, comprendre cette colère, se laisser, se laisser mmh. euh, évidemment bousculer par ce qui se passe. Mais ma conviction, c'est qu'il euh, y a un péril qui est international. Vous savez qu'il y a eu Trump, Bolsonaro, vous, dites, vous connaissez la situation en Europe. Eh bien moi, je dis que nous devons être extrêmement au clair sur la confrontation nécessaire de vision du monde avec l'extrême droite. Et donc il faut faire attention aux références utilisées dans ce mouvement. Est-ce que vous êtes vous fasciné par Éric Drouet Non, je ne suis pas non plus fasciné par Éric Drouet, je l'ai déjà dit, je vous le redis. Euh... Vous comprenez que Jean-Luc Mélenchon soit fasciné par Éric Drouet c'est un, un terme. Alors d'abord, Jean-Luc Mélenchon est un méditerranéen qui souvent utilise des termes qui sont des termes, voilà, qui, qui, qui je ne sais pas comment on peut dire, mais euh, bon, moi je suis peut-être d'un tempérament plus, plus mesuré. Euh, donc je ne suis pas fasciné par une personnalité. Hein. Non, mais c'est la fascination sur une personnalité. Alors après, mmh. on est allé chercher qui était droué. Certains ont dit, mais uh, oui, il a voté pour l'extrême droite, puis finalement, non. Donc vous voyez, tout ça est très complexe. Mais, mais il a relayé des thèses conspirationnistes, notamment sur le pacte de Marrakech et sur d'autres sujets je, je je ne suis pas fascinée par Éric Drouet. En revanche, je suis très intéressée et, et, et par la mobilisation qui est en cours et par notre capacité à contribuer à fédérer le peuple, tout le peuple, tout le peuple. Marine Le Pen a expliqué dans une interview à Valeurs Actuelles il y a deux semaines qu'il y avait euh, au fil de ce mouvement des Gilets jaunes des convergences qui étaient apparues entre euh, la France insoumise et le Rassemblement national. Oui, après elle a dit exactement l'inverse sur France 2. Donc vous voyez, elle peut dire une chose un jour et puis une autre chose euh, un autre jour. Euh, je crois que c'est assez clair. Quand vous regardez notre programme et que vous regardez le programme de l'extrême droite, on a des visions du monde qui s'opposent. Sur des sujets, il euh, faut être concret hein, là-dessus. Hein. Le partage des richesses n'a jamais été l'affaire de l'extrême droite. Ça ne veut pas dire qu'ils euh, ne peuvent pas avoir un discours social. Mais le partage des richesses réellement n'est pas leur sujet. La question écologique qui, chez nous, est structurante. Nous pensons que pour basculer dans, dans, dans le monde euh, nécessaire euh, suivant, euh, il faut appliquer une transition énergétique pour répondre aussi aux défis climatiques. Vous, vous, vous me donnez la question... tue, que l'extrême droite se moque littéralement de l'enjeu environnemental. Sur, sur, question... sur, la, sur la question de la nation, je vais vous ah ouais, citer juste dit exactement. Liberté et droit et démocratie, vous, vous comprenez que nous sommes à milieu de les propositions Marine politiques Le Pen, elle, de l'extrême droite elle, dans qui aime entretien, beaucoup la 5ème République. Marine Le Pen, dans cet entretien, elle regrette que Jean-Luc Mélenchon ait été tenté, mais qu'il n'ait pas osé, je la cite, rompre au sein de son mouvement, au sein de la France insoumise, avec les gauchistes et les communautaristes. En fait, non, mais elle pas... vous vise, vous, cest vous êtes celle et ceux qui empêche Jean-Luc Mélenchon de dériver. Je vais vous dire, moi, j'ai pas de problème à être visée par Marine Le Pen, et si elle me considère comme une adversaire, fort bien. Euh, la réciproque est tout à fait vraie, et moi, je suis prête à cette confrontation avec l'extrême droite, et elle est nécessaire. Euh, donc ça, j'ai pas du tout de ce problème avec ça, mais j'aimerais bien que euh, n'insulte insulte pas non plus les militants de la France Insoumise et de notre famille politique du matin au soir en expliquant que nous serions à ce point euh, dans une bascule, euh, prêt à faire euh, des, 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 des comment dire, des alliances avec euh, ceux qui sont historiquement nos ennemis politiques. Il n'y a la aucun vérité. risque d'une situation ou d'une dérive à l'italienne, en quelque sorte. Euh, écoutez, euh, moi je, 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 je suis ferme là-dessus. Je pense que euh, d'ailleurs, l'exemple italien, qui n'est pas, pas la première fois que l'Italie nous sert de contre-exemple. Vous vous souvenez, il y a eu une époque où tout le monde s'était mis derrière Romano Prodi à gauche en Italie et que le résultat a été que Romano Prodi, qui était un, un libéral, a été élu. Et ensuite, ça a été Berlusconi II. Il se prétendait un rempart ah. à l'extrême droite, et au final, on a plus de gauche, et à nouveau. Berlusconi qui revient. Premier élément. Et aujourd'hui, nous voyons bien que, oui, il faut répondre aux aspirations populaires, mais ne pas perdre le fil et la cohérence de ce qu'est un projet d'émancipation humaine qui correspond à notre tradition et à notre histoire. Il faut le dire dans des formes nouvelles, il faut chercher du neuf, c'est l'évidence, mais en même temps, je crois que cette cohérence sur le fond et sur la durée est la seule façon que nous ne mourions pas dans des projets et des aventures qui nous emmèneraient du côté du brin et non pas dans une. Une euh, réponse qui permet d'améliorer la vie des gens, tout simplement. Dans sa lettre aux Français, dans laquelle Emmanuel Macron brasse l'ensemble des sujets qui peuvent être traités lors de ce, ce grand débat, il les brasse de façon très large. Il a aussi évoqué un thème qui est le thème de, de l'immigration. Il a la nécessité, je le cite, de revoir les défaillances de l'intégration. Voici ce que le président du groupe des députés marcheurs à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, en disait. Voilà des oui. années que la question de l'immigration empoisonne le débat public français parce qu'on refuse de le traiter autrement que de manière simpliste et démagogique. Ce grand débat donne l'occasion d'aborder les questions différemment, en donnant sur ce sujet aussi la parole aux Français, ce qui produira forcément des choses intéressantes. C'était Gilles Lejeune de lundi matin sur France Info. Ça vous choque qu'on parle d'immigration dans ce débat je ne vois pas le rapport, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, ce grand débat, il arrive suite à la mobilisation des Gilets jaunes. Bon, je n'ai pas l'impression que dans les revendications des Gilets jaunes, la question euh, migratoire était au cœur. Et quand on voit les rapports de force politiques idéologiques, j'estime que c'est une faute morale du président de la République que d'avoir choisi d'introduire ces questions-là. D'ailleurs, il y a même un débat dans son propre camp. Et euh, moi, je suis euh, amère et triste pour toutes celles et ceux qui ont voté euh, Emmanuel Macron en estimant que c'était un rempart à l'extrême droite et de le voir aujourd'hui jouer avec le feu là-dessus. Mais vous savez, moi, j'ai participé à l'Assemblée nationale euh, au débat sur l'immigration. J'ai vu ce qui était dans le texte asile et immigration et je vous assure que c'est une honte. Vis-à-vis -vis, euh, de euh, notre devoir d'humanité et de ce qu'aurait dû être un projet sur ces questions qui réellement s'oppose à l'extrême droite. La députée France Insoumise, Clémentine Autain, notre invité ce matin sur Antinotin, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, notre invité ce matin, Renaud Dely Dans une, une lettre interne à la France Insoumise, il y a un certain nombre de cadres qui ont reproché à, à, à Jean-Luc Mélenchon son mode de, de gouvernance euh, et sa dérive autoritaire à la tête de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon euh, a répondu hier soir sur le plateau du 20h de France 2. J'ai une façon de diriger euh, qui Seul. est que je ne permets pas que les uns ou les autres s'emparent du label et en fassent ce qu'ils veulent. Et Moi, je ne trouve pas normal quand on est dans un rapport. Il n'y a pas un parti ou un mouvement qui fait ça. Quelqu'un qui vous critique, peut-il vous représenter en même temps Il critique la liste dans laquelle il est. On ne peut pas critiquer Jean-Luc Mélenchon au sein de France Insoumise. L'enjeu, à mon avis, c'est que nous ayons à la France Insoumise une nouvelle étape qui nous permette précisément de réguler. Euh, les conflits qui naissent nécessairement dans tout mouvement, dans toute organisation collective, et qui permettent aussi de faire respirer le pluralisme politique qui est nécessaire quand on est une force à vocation majoritaire et qui cherche à grandir et à agréger. Donc de Moi, bâtir un une nouvelle démocratie interne. Il y a un an, je l'avais dit dans une interview à Politis, qui d'ailleurs n'avait pas été toujours bien appréciée en haut lieu dans la France Insoumise, mais je l'avais dit, j'avais posé cet enjeu-là. Je pense que nous avons besoin de trouver de façon nouvelle, parce que le mouvement au départ est gazeux, il, il démarre sur la dynamique de la présidentielle, et on voit bien en marchant, que certes on ne veut pas faire les partis tels qu'ils ont existé au XXe siècle, d'ailleurs re retrouver les mêmes formules pyra pyramidales, etc. Mais en même temps, il faut qu'on avance vers des possibilités d'organisation de, qui permettent de garantir davantage le pluralisme et de donner de la respiration démocratique et des lieux où, où les questions se posent. Moi, je suis navrée de voir que euh, Jean-Luc Mélenchon se retrouve dans une interview à France 2, confronté à euh, un tweet, à des, à, des, à des querelles qui sont des querelles qui ont sans doute une légitimité, mais à qui sont prises de parole publique à lui. Oui, J'entends bien, mais donc vous voyez, publique, bien que, vous voyez bien que il euh, y a un problème. Donc le problème, qu c'est qu'aujourd'hui, à, qu à la France insoumise, on ne peut pas être insoumis à Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il faut qu'on traite la question euh, du pluralisme. Euh, plus grande dans la France insoumise. Moi, je pense que François Coq, et, et vous connaissez peut-être mes désaccords avec François Coq, hein, c'est pas celui qui est le plus du, proche un de, euh, de, de mes positions dans la France insoumise. Il a sa place dans la France insoumise. Donc, comment on fait pour avancer ensemble, sortir de ces débats qui euh, sont maintenant sur la place publique et être capable de le faire vivre en interne, là où ce débat doit avoir lieu Pour revenir au mouvement des Gilets jaunes, euh, Clémentine Autain, le directeur général de la police nationale, Éric Morvan, a rappelé hier dans une note adressée aux forces de l'ordre les. Consigne pour un usage mesuré du flashball et des LBD, ce qu'on appelle les LBD, les lanceurs de balles de défense. Éric Morvan dit ceci, le tireur ne doit viser exclusivement que le torse ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs. Est-ce que vous avez confiance dans ce rappel aux forces de l'ordre Je suis en tout cas très très attentive euh, à la façon dont euh, les forces de l'ordre opèrent vis-à-vis -vis des des gilets jaunes et des manifestants. Euh, ils reçoivent des ordres. Hein. Et, et, et déjà, je veux dire que moi, ce qui me m'interpelle, c'est l'utilisation à tout va de flashballs et de ces fameuses grenades que nous sommes les seuls, les grenades explosives mmh. spécifiques, dont nous sommes les seuls, la France, à l'utiliser à l'échelle européenne, ce qui est assez, assez incroyable. Donc euh, je ne veux pas mettre en cause l'ensemble des policiers, la majeure partie fait évidemment son travail très correctement, et par ailleurs ils il travaillent aussi avec euh, des, comment dire, des, 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 enfin, des outils euh, qui sont mis à leur disposition par le pouvoir en place. Donc le problème ce ne pas les policiers mais leur équipement leur équipement et parfois aussi euh, les messages qui sont envoyés. Hein. Je veux dire, on, on nous parle beaucoup d'appels à la violence, de la haine verbale. Quand on entend Luc Ferry expliquer que ce serait bien qu'ils utilisent leurs pistolets et leur, leur, leurs armes. Mais c'est pas lui je qui trouve... donne les consignes et les ordres bien, mais aux il a, policiers. Il y, a, aux il, il y a un climat, il y a un climat d'escalade et non de désescalade. Et je vous le dis franchement, 92 blessés du côté des manifestants, 5000 gardes à vue. C'est absolument considérable. Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis 1968. Donc moi j'appelle à la désescalade, y compris Et, les manifestants. C'est aussi parce que les forces de l'ordre sont agressées, sont C'est pour ça que je vous parle mmh. d'escalade. Mmh. Moi, moi euh, je veux dire que euh, qu'on qu soit en colère. Euh, très bien, de toutes parts d'ailleurs, pas de problème, mais que cela ça, se traduise par de la violence physique, mmh. d'où qu'elle vienne, je suis opposée pour des raisons mmh. politiques profondes, démocratiques, euh, et, et, et donc euh, voilà. Mmh. Mais la question, c'est comment on, on crée un climat qui permet la désescalade, et de ce point de vue, la responsabilité du gouvernement est engagée. Carlos Ghosn, euh, l'ex-PDG de l'Alliance Renault-Nissan, est toujours en prison depuis deux mois au Japon. Et euh, hier, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a lâché celui qui était toujours PDG de Renault. Il appelle à un nouveau conseil d'administration de Renault pour à mettre en place une direction pérenne. À la bonne heure, non Vous ne trouvez pas oui, ça me paraît assez raisonnable. Enfin, euh, je, je, je constate, alors je sors un peu de Carlos Ghosn, mais puisque... Il est présumé tu... innocent, je le rappelle, euh, Carlos Ghosn. Euh, oui, oui, mais enfin, euh, je pense que pour le climat de l'entreprise, euh, vu ce qui lui est reproché, euh, le climat aussi euh, qui est lié à certaines de ses déclarations, je pense que voilà, ça, c est, c est, ça me paraît de bon augure. Le gouvernement l'a protégé trop longtemps le gouvernement la pro Mais le gouvernement aime bien protéger les puissants, Vous avez remarqué, hein. Regardez Benalla. Euh, moi, j'ai vu des condamnations là sur euh, pour des gilets jaunes qui sont quand même assez salés et sévères. Et pendant ce temps-là, Monsieur Benalla, euh, son coffre-fort, on ne va pas trop le chercher. Des passeports diplomatiques dans tous les. On a l'impression qu'il a été particulièrement malmené. Euh, on, on est venu, il n'était pas là. On lui a dit on repasse demain, pas de problème. Prenez votre temps, Monsieur Benalla. Il n'est toujours pas en garde à vue. Le sentiment de deux poids, deux mesures. Il faut que le pouvoir euh, en place l'entende est assez insupportable pour des millions de Français.